Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous sommes debout, nous pouvons prendre Exode 23. À partir du verset 20. Exode 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, j'envoie un ange devant toi. Amen. Pour te protéger en chemin. Amen. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Amen. Car mon nom est en lui. Amen. 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. 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 Prions le Seigneur. Père bien-aimé, oh, voici encore le moment tant attendu et la main de la Seigneur. Qui peut parler à ton peuple si ce n'est que toi-même, Seigneur? Nous sommes dans une position de crainte et de tremblement dans ta présence maintenant. Écarte-nous du chemin, Seigneur. Parle, Seigneur, pour chacun de nous et pour moi aussi, Seigneur, que nous ne puissions pas sortir d'ici tel que nous sommes entrés. Car nous avons besoin d'entendre ta voix. Car seule ta voix est capable de nous rassurer, Seigneur. Bénis, Seigneur, cette réunion. Car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toujours dans Exode 14. À partir du verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. On saute un peu. 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fara. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Vous pouvez lire jusqu'à la fin, c'est très merveilleux. Amen. Vraiment, je suis très content d'être encore avec vous ce soir. Le thème d'aujourd'hui, pourquoi la mer Rouge? Amen. Amen. Un jour, quelque chose m'était venu en passant. Pourquoi Dieu avait choisi ce chemin-là? Pourquoi la mer Rouge?
Que Dieu a choisi ce chemin-là, Daniel. Vous voyez le premier, la première écriture que je viens de lire. C'était un avertissement à Moïse. Dieu lui a dit, tu dois obéir à l'ange. Ne t'en détourne pas. Pourquoi? Parce que Dieu voulait s'assurer que Moïse va obéir à la lettre tout ce qu'il va dire. Amen. Mais pourquoi Dieu tenait à ce qu'il puisse passer sur la mer Rouge? Pourquoi? Et aussi connaissait le chemin. Parce que quand Jacob était mort, amen, ils étaient partis l'enterrer en Palestine. Amen. N'est-ce pas, non? Ouais, ouais, c'est vrai. Même quand le 11 patriarches était venu, ouais, ouais, il ne passait pas par la mer Rouge. Non, non, non. Mais pourquoi tu as choisi la mer Rouge? Amen. 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 Yes, sir. Quand vous regardez la géographie de cet endroit-là, à droite, il y a une grande montagne. À gauche, une grande montagne. Et devant, c'était la mer Rouge. Et puis, derrière, c'était quoi? C'était Pharaon qui venait maintenant. Oh, c'est merveilleux d'avoir un Dieu comme lui. Amen. Le grand Jéhovah. Amen. Qui connaît toutes choses. Amen. Avant même la fin. Lui connaît déjà la fin du film. Amen. Il connaît comment tout va se dérouler. Amen. C'est pour cela que Dieu avait choisi ce chemin-là. Il avait même préparé tous les terrains. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ceci confirme la volonté de Dieu de veiller à ce que son plan puisse marcher à la perfection. Amen. Pourquoi Dieu a choisi de frayer, de faire passer Israël par la mer Rouge? Les raisons du choix de la mer Rouge sont, j'aimerais quelques raisons, démontrer sa puissance à Israël et aussi à Pharaon. Amen. Par la protection et la délivrance totale à Israël. Amen. Comment il allait démontrer? Parce que Dieu savait que l'armée égyptienne à ce moment-là, c'était comme les États-Unis. C'était l'armée la plus puissante du monde. Alors Dieu a regardé, ah, qu'est-ce que je peux faire pour délivrer mon peuple? Israël n'avait pas d'armée. C'était juste une nation. Alors Dieu a dit, bon, allons vers la mer Rouge. Parce que Dieu voyant aussi l'endurcissement du cœur de Pharaon, alors, à voir seulement les tableaux. Quand Pharaon et toute l'Égypte avaient déjà perdu leur premier-né, parce que c'était la dernière cartouche qui avait poussé maintenant à ce que Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël. Amen. Quand il a vu que tous les premiers-nés, commençant par l'enfant même du roi, jusqu'au dernier, jusqu'aux animaux, il a dit, bon, laissez passer, laissez partir maintenant Israël. Mais après, ils se sont ravisés. Ils disent, non, mais qui va encore construire nos villes? Ah, poursuivons-les. Maintenant, quand Pharaon a vu que le peuple était bloqué devant la mer, avoir envoyé ce tableau-là, ah, il a dit, mais oh, mais aujourd'hui la situation est à mon avantage. Leur Dieu ne savait même pas comment les protéger, les leur montrer une bonne route. Mais Dieu, il n'y a pas plus intelligent que Dieu. Amen. 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 Parce que si ils avaient pris par exemple la route du désert, c'était simple. Et avec des chars, ils allaient finir par le rattraper. Et ils allaient massacrer totalement Israël. Même les hommes de science ou les prédicateurs rétrogrades qui ont cru que Israël avait traversé une mer de roseaux. C'est une fausse doctrine. C'est vraiment le diable qui ne croit pas. Parce que si tu peux seulement imaginer que pendant ces temps-là, l'armée la plus puissante, c'était l'armée égyptienne. Est-ce que la mer des roseaux allait les empêcher de traverser? Rien, il n'y avait pas d'obstacle pour eux. Mais Dieu est plus que tout le monde. Amen. Il a le monde entier dans sa main. Amen. C'est lui qui tire les ficelles. Amen. Il connaît la fin avant même le commencement. Amen. C'est pour cela
Qui peut combattre Dieu? Qui peut? Alors Dieu a voulu. Alors, passons par la mer Rouge. Mais ça avait aussi d'autres rôles aussi. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que le peuple ou Israël soit quoi? Poussé à bout aussi. Amen. S'il y a un moment, un homme est sincère dans sa vie, c'est devant la mort. Ne vous en faites pas. La mort là, c'est quand elle est encore là. Qu'on te plaque seulement un revolver. Qu'on te dise de te repentir de tout ce que tu as déjà fait. Tu peux te repentir même ce que tu t'es déjà repenti il y a 10 ans. Tu vas répéter ça. Pourquoi? Parce qu'on est devant la mort. Là, l'homme devient sincère. Qu'on ne vous trompe pas. Parce que Dieu fait toujours. Surtout si c'est vraiment la vraie mort. Quand tu es un vrai chrétien, Dieu ouvre une fenêtre pour te montrer l'autre part. La même chose qu'il ouvre pour ses enfants, il ouvre aussi la fenêtre pour ceux qui vont se perdre. Alors Dieu voulait que Israël soit poussé à bout. Comment? Israël était sûr. C'est pour ça qu'il commence à crier. Pourquoi tu nous as emmenés dans le désert? Pour mourir ici, s'il n'y avait pas de terre en Égypte. Pourquoi ils avaient vu déjà la mise de Pharaon qui venait là? Il dit Moïse. Après, ils ont vu que Moïse ne pouvait rien. Ce qui a fait que à droite, il y avait la montagne, à gauche, la montagne, devant quoi? La mer. Quand l'homme arrive maintenant dans cette position de pousser à bout, ah, il tourne maintenant le regard. Amen. Vers Dieu. Amen. 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 Parce que là, maintenant, tu sais que personne ne peut te secourir. Non. Il n'y a qu'un seul secours qui reste. Amen. C'est là où. Amen. Certainement. Amen. Ah, Dieu descend toujours. Amen. C'est ce qui s'était fait ce jour-là. Amen. Parce que Moïse, quand il commençait, il doutait encore. Dieu dit, pourquoi s'écrit Moïse? Parle. Amen. Prononce la parole. Amen. Et t'en avèges. Et aujourd'hui, vous allez voir. C'est pour cela que Moïse a eu le courage. Il dit, oh, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Hey. Amen. Oh, c'est merveilleux. Amen. Dieu voulait que Israël soit poussé à bout. Par la même occasion aussi, Dieu voulait quoi? Élever Moïse. Amen. Moïse n'était pas accepté facilement. Parce qu'il y avait toujours des troubadours. Mais Dieu a voulu aussi que ces jours-là, qu'ils puissent voir réellement que c'est moi Dieu qui a envoyé Moïse. Amen. 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 Parce que quand il commençait à se dire, pourquoi tu nous as fait sortir? C'est la conséquence de la peur et de la mort. Mais Dieu a montré combien il est grand. Amen. La colonne de feu qui était devant a quitté devant. Il est allé s'intercepter maintenant. Amen. Entre Israël et Pharaon. Amen. Et les Égyptiens. Oh, c'était une scène terrible. Amen. Et la nuit, la Bible dit, du côté d'Israël, c'était éclairé. Mais du côté où il y avait les Égyptiens, il faisait noir. C'est qu'ils pouvaient essayer de chevaucher, mais c'était impossible de traverser cette ligne-là. Amen. Parce que le maître du temps était là. Amen. Le Seigneur de gloire. Amen. Qui a le contrôle de toute situation. Amen. Était là. Et à ce moment-là, de détresse, Dieu vient toujours au secours d'un cœur sincère et poussé à bout. Puis Dieu dit à Moïse, pourquoi tant de cris? Et tant ta verge, et celle-ci va s'ouvrir. Pourquoi? Pour la délivrance totale. Parce que ce n'était pas nécessaire que seul Israël passe. Non. Dieu dit lui-même, moi-même Dieu, je vais quoi? Endurcir les cœurs des pharaons.
Parce qu'il fallait que Israël soit sauvé et aussi détruire l'armée la plus puissante. Amen. Ah oui. Parce qu'il était tellement avancé dans la technologie qu'ils allaient comprendre que nous pouvons détourner la mer et les attaquer devant et les détruire encore. Mais il n'y a pas plus intelligent que Dieu. Et ceci, Dieu veut prouver que rien n'est impossible à lui. Amen. Il est prêt pour venir à notre secours. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est toi qui n'es pas encore sincère et poussé à bout pour recevoir ta délivrance par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce ne sont pas les mains d'un pasteur ou d'un serviteur de Dieu qui vont te donner la délivrance, mon frère, ma soeur. C'est faux. Vous voyez, il y a beaucoup d'églises. Là. Amène tel, amène celle-ci, amène ces livres. J'aime comme ça. C'est faux. La vraie délivrance, c'est toi, mon amour. Tu dois sentir que tu es posé à bout. Et que tu n'as même plus le droit de vivre si tu n'as pas le baptême de cette personne. Amen. Parce qu'on peut t'imposer par 10 000 serviteurs de Dieu, ouais, jusqu'au pied. Si tu n'es pas sincère, rien ne peut Amen. Tu dois d'abord toi-même accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Lui donner ton cœur, être sincère avec lui et désirer la perle de votre vie, Amen. La boussole de votre vie. Le Saint-Esprit, comprendre l'importance du Saint-Esprit. Et c'est là maintenant, quand on va t'imposer les mains. Nous avons lu le prophète. Il l'a dit. Lui-même, il a dit que si tu n'es pas encore pour ça, ça ne sert à rien de venir dans la ligne. Amen. Parce que tu vas seulement venir en train de dire, peut-être aujourd'hui c'est mon jour. Ça, reste seulement. Quand tu dois venir, tu dois être certain et sûr qu'aujourd'hui, je dois l'avoir. Sinon, ce n'est, je n'ai même plus le droit de vivre. Et là, tu auras quoi? La délivrance totale, pas partielle. Dieu s'était rassuré que jusqu'au dernier Égyptien devait mourir d'abord. Afin que Israël puisse être dans la délivrance totale. C'est comme le prophète Benoît, dans l'exemple d'un homme qui avait compris l'importance du baptême du Saint-Esprit. Il est sorti de chez lui. Il est allé dans la forêt. Il a dit à Dieu, aujourd'hui, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, quand tu viendras prendre ton épouse, tu trouveras maison sous cet arbre-ci. Il était monté dans un arbre. Le prophète dit, il n'a pas fait deux jours. Le même jour, tellement il était poussé à bout, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit Amen. Dans la forêt. Amen. Et il est rentré un homme nouveau. Amen. Une nouvelle créature. Amen. Si nous jouons encore, c'est parce que nous ne sommes pas encore arrivés dans une situation entre la vie ou la mort. Parce que c'est pour cela que nous jouons encore. Mais si on peut comprendre l'utilité ou l'importance du Saint-Esprit, que nous puissions savoir que nous n'avons même pas droit à la vie si nous n'avons pas encore le Saint-Esprit. Alors voilà ce qui peut aider à avoir comme priorité des priorités dans notre vie. Si nous pouvons avoir ça comme priorité des priorités, ce serait bien. Car sans le Saint-Esprit, quel que soit mon frère ta bonne foi, nous serons toujours hypocrites. Nous serons toujours menteurs, tricheurs, infidèles. Tu vas essayer de te fabriquer une sainteté fabriquée. Mais souvent, ça ne traîne pas longtemps. Souvent, nous mettons plus d'importance aux accessoires au lieu de rechercher l'essentiel, Amen. La boussole de notre vie. Qui va nous guider tout le reste de notre vie. Amen. Prenons d'abord le temps que nous consacrons pour chercher l'argent.
C'est Proverbe 2 et 1, 5. Aujourd'hui, c'est dans la semaine. Vous pouvez noter ça. Allez lire vous-même à la maison. Proverbe 2 et 1, 5. Si vous me cherchez comme vous cherchez là. Amen, amen. Vous l'aurez déjà. Amen. Amen. Tandis que l'argent sans Saint-Esprit, tu risques d'aller en enfer, mon frère. Mais à quoi sert de trop se pomponner pour valider de la vie? Un jour, il y avait des gens qui se plaignaient beaucoup. Quand je dirigeais encore les chantiers du tabernacle, alors j'ai donné un petit exemple. C'est parce que des fois nous mettons autre chose en priorité. J'ai donné juste un petit exemple. L'aéroport de Kinshasa, c'est environ 25 km. Moi, dit, si un communiqué à la télé passe que c'est lui qui va arriver à 5 heures juste à l'aéroport de Djili, aura 100 dollars. Il y aura combien de gens à 5 heures juste? Ah, on m'a dit, avant 5, il y a même des gens qui vont dormir là. Pour s'assurer que 5 heures juste, il sera là. Pour avoir quoi? Son 100 dollars. Oh, le 100 dollars va te dar quoi? Si la même pression, tu peux la mettre pour rechercher le baptême du Saint-Esprit. Ce serait merveilleux, mon frère. Amen. Aujourd'hui, tout le monde est à la course de l'argent. Au point, un homme tue un autre homme pour l'argent. Puis lui aussi va mourir et abandonner tout. Israël, devant la mer Rouge, avait réalisé que si Dieu ne vient pas à leur secours, ils sont tous morts. Amen. Ce qui avait déclenché maintenant. Que Dieu descende. Amen. 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 Oh, c'est merveilleux. Car Pharaon avait, avec son armée et des milliers de chars, était là. Et Israël n'avait même pas une armée qui pouvait résister même une minute. Alors, Israël était poussé à bout pour demander le secours de l'Éternel qui est venu directement par l'ouverture de la mer. Parce qu'il a frayé un chemin. Là où il n'y avait pas de chemin. Dieu veut que dans toute situation, nous puissions toujours nous référer à lui. Amen. Et nous abandonner à lui. Amen. Car il dit qu'il est le secours permanent. Amen. En cas de besoin. Amen. Mais pour que ce secours-là permanent, en cas de besoin, entre en scène, mon frère. Nous devons être totalement poussables. Amen. Être poussé à bout, c'est quoi? C'est quand l'homme réalise qu'il n'a plus d'autre secours qui peut le sauver, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aussi longtemps que tu penses encore que tu es capable de toi-même de faire quelque chose, Dieu ne viendra pas. Il veut que la gloire lui appartienne à lui seul. Nous avons lu d'autres photos. Que Dieu ne partage pas la gloire avec lui. Amen. Et il va te laisser. Si toi, quand tu espères encore que tu as des amis là qui peuvent t'aider. Quand tu espères encore que tu as un parent qui peut t'aider. Là, Dieu te laisse. Il te regarde. Mais quand tu verras que tout le monde va te décevoir. Et que tu vois que tu es poussé à bout. Tu vas crier réellement. Amen. Au secours. Amen. Et là, il viendra. Amen. Et quand il fera la chose, tu seras certain que c'est lui qui a fait. Amen. Et la gloire sera pour lui. Amen. 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 C'est comme une personne qui savait, qui pensait qu'elle savait nager, qui est entrée dans le fleuve. Ses capacités physiques, c'est peut-être un bon nageur. Il a nagé. À un moment donné, il a vu qu'il était incapable de traverser maintenant. Oh, heureusement, il était un chrétien. Il a dit, Seigneur, si tu ne viens pas mon secours, je vais mourir. Et puis il s'est retrouvé. Il est déjà arrivé. Amen. 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 Voilà. Et quand il va sortir,
il ne sera plus la même personne. Il n'aura plus la pensée qu'il sait nager. Non, il va comprendre que si ce n'est la grâce de Dieu, je serai de lui. Amen. Nous pouvons être totalement poussés au bout que quand nous mourrons totalement de nos œuvres de la chair, amen, afin que Dieu puisse prendre le contrôle de notre vie. Amen. Le prophète l'a dit dans Poussé à bout. Paragraphe 85. Ce soir, il se peut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont assis ici et devant qui la mort se tient. Et la seule façon pour que vous soyez en mesure d'obtenir la chose que vous désirez, c'est de venir avec désespoir et dire « Je dois l'avoir ce soir. Je dois l'avoir maintenant. Sinon, ça n'est fini de moi. Demain, c'est trop tard. Je dois l'avoir maintenant. » Quand vous priez pour le baptême du Saint-Esprit, les signes, ne dites pas, eh bien, je vais donc aller essayer. Seigneur, je suis un peu fatigué. Oh, miséricorde, restez sur votre siège. N'essayez même pas. Si vous venez en disant, je passerai dans la ligne de prière pour qu'on me mette de l'huile sur la tête, et je verrai si cela me fera du bien. Vous feriez aussi mieux de rester là où vous êtes jusqu'à ce que vous en arrivez à ce point-là. Jusqu'à ce que toute l'Église arrive à ce point entre la vie et la mort. Comme quoi, vous devez l'avoir maintenant, sinon vous allez mourir. Alors, Dieu entrera en scène. Amen. Il faut être poussé à bout pour amener Dieu sur la scène. Amen. 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 Oh, c'est merveilleux. C'est prêché à Jeffersonville le 1er septembre 1963. Pourquoi la mer rouge? Parce que Dieu voulait qu'Israël puisse se séparer totalement des œuvres de l'Égypte et enlever en eux même l'idée de retourner en Égypte en ouvrant la mer rouge pour Israël. Dieu voulait que Israël puisse comprendre qu'il s'est engagé dans une voie de non-retour. Amen. C'est vrai. Parce que Dieu n'allait pas encore, tu as déjà traversé la mer, va encore ouvrir la mer pour toi que tu rentres en Égypte. Non. Alors, pourquoi la mer rouge? Il voulait que Israël puisse comprendre que il s'est engagé avec lui dans une marche de bon retour. Amen. Toi aussi, chrétien, pourquoi toujours les yeux au rétroviseur? Si tu marches là en train de regarder les rétroviseurs, tu vas faire l'accident. Nous avons le seul modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Comme ce cycliste-là qui avait ses deux mains sur les guidons. Ah, et les yeux fixés sur le modèle. Amen. Et vous n'aurez pas de problème. Alors Dieu voulait enlever ça de la tête d'Israël. Rentrer en Égypte, c'est fini pour vous. Il faut aller maintenant en Canaan. C'est là où j'ai préparé le terrain pour vous. De même, un chrétien qui commence la marche avec le Seigneur Jésus-Christ doit savoir que c'est une marche de non-retour dans le monde. Amen. Ne plus regarder au rétroviseur. À ta vie passée, non, non. Amen. Chaque jour, un chrétien doit aller de l'avant avec Christ. Amen. Ne plus penser à retourner à la vie des cochons que tu avais dans le monde. Puis Moïse dit à Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà montré à Moïse que l'ouverture de la mer rouge allait accomplir des rôles. Amen. Amen. Le premier rôle, c'est quoi? Il sauve d'abord Israël en ouvrant le chemin en plein mer rouge afin que Israël puisse passer. Et le deuxième rôle, c'est quoi? Endurcir le cœur de Pharaon pour que son jugement par la mer rouge afin qu'il puisse
tous mourir dedans. Vous voyez le double rôle de la mer rouge. Mais pourquoi la mer rouge? Pour donner une assurance bénie à Israël. Amen. Pour lui prouver que Dieu combat pour les saints. Amen. À tel point que même Pharaon, quand il a vu que ils avaient fait la plus grosse erreur de suivre Israël, ils étaient tellement avec la soif de la vengeance de tuer Israël qu'ils se sont engagés dans la mer. Ah, quel courage! Toutes les fois tu viens là, tu trouves la mer. Et puis la mer s'ouvre, tu ne sais pas comment elle s'est ouverte, toi aussi tu viens t'engager. Ils se sont engagés. Après, ils vont seulement, à la fin là, Moïse lève encore le bâton. Quand il commence à baisser comme ça, c'est la mer qui est venue maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils voulaient maintenant rentrer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a commencé à enlever les roues de leur char. Et Pharaon a crié, injustice. Leur Dieu combat contre nous. Mais pourquoi tu es engagé pour troubler les enfants d'Israël, monsieur? Oh, merci Jésus. Amen. D'avoir un Dieu comme tu es le second permanent. Il est là pour nous donner l'assurance bénie. Amen. Il est là pour montrer qu'il est le plus fort. Amen. Pour nous rassurer. Quel que soit ce que le diable peut faire, n'aie point peur du diable. Amen. Souvent, c'est là où le diable a l'habitude de nous avoir. Amen. Il nous fait des épouvantails. Amen. C'est juste peur pour rien. C'est la faiblesse que nous avons encore. Mais surmonte seulement la peur. Amen. Tu verras qu'il ne fera rien. Amen. Parce que tu dois savoir là où tu as mis ton pied. Amen. Et souvent c'est quoi? C'est le péché qui empêche que Dieu puisse agir dans notre vie. Détache-toi du péché. L'épreuve passera. Amen. Tu ne mourras pas dans l'épreuve. Amen. Tu seras victorieux. Amen. Et avance comme un victorieux. Amen. Tu verras que Dieu ne va te laisser. Alléluia. Tu vas seulement réaliser que tu connais ta position. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions toujours lui faire confiance. Amen. Quelle que soit la situation, Amen. Même si elle peut sembler totalement désespérée, certainement Dieu a toujours une solution. Amen. On reste un secours permanent Amen. En cas de besoin. Amen. Quelle que soit la situation, si tu vérifies que tu as un péché, arrange-moi le péché. Arrange ça. Amen. Demande pardon à Dieu. Amen. Il viendra. Amen. Par une repentance sincère. Et tu verras toi-même que la main du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Rédempteur, ne sera jamais en retard. Amen. 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 Dieu dit dans le psaume, qui n'a jamais vu un juste abandonné ou mendier son pain. Amen. Souvent nous tracassons, mais il a déjà dit ça. Même quand tu te tracasses là, est-ce que tu manques le pain? Il pourvoit toujours. Amen. S'il n'a pas abandonné Daniel dans la fosse au lion, Daniel était aussi un homme. Il pouvait avoir peur des lions qui étaient déjà affamés plusieurs jours. Mais le Seigneur ne sera jamais arrêté. Amen. Au moment qu'on l'a jeté, l'ange était déjà là. Amen. L'ange avait déjà précédé Daniel. Amen. À tel point que Daniel avait la confusion. Est-ce que ce sont des lions ou bien ce sont des agneaux? C'était des vrais lions. Amen. Parce que quand on a sorti Daniel, oh, ce qu'il avait accusé abusivement ont été bien dévorés. La Bible dit que ils n'avaient même pas encore touché le sol qu'ils étaient déjà déchirés. C'est la même chose aussi. Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, ce n'était pas facile. Le feu, ce n'est pas une blague. Quelle mort! Mais ils ont dit, quelle que soit l'épreuve, nous sommes prêts à contre cela. Quand Dieu a vu, oh, quelle foi! Quelle assurance venue ils ont! Ah non, ça il faut que moi je descende. Amen. Au même moment, quand on les jetait,
le Fils de l'homme était déjà dedans. Amen. Tu ne seras pas déçu. Sois seulement bon. C'est seulement bon. Amen. Il veut voir jusqu'à quel niveau tu peux lui faire confiance. Amen. C'est comme Abraham aussi. Vous croyez que c'était facile pour Abraham? Nous lisons ça seulement. La preuve est qu'il n'avait même pas dit à sa femme. Hein. Parce que s'il avait dit à sa femme que Dieu m'a dit aujourd'hui, demain je dois amener Isaac à la montagne et l'offrir en sacrifice. Sarah allait dire non. J'ai toujours cru toutes les paroles. Tous les messages que tu m'as toujours donné, là, j'ai toujours dit. Mais ça, moi-même, je juge. Ça ne vient pas de Dieu. Mais Abraham a dit, non, ça c'est un problème de moi avec Dieu. Amen. Il a pris l'enfant. Même quand l'enfant lui a posé la question, papa, j'ai déjà assisté à plusieurs sacrifices. Je vois le feu. Je vois le bois. Mais où est le sacrifice? Oh, Abraham était un peu tiré. Et là, il a prononcé une bonne parole. Amen. L'Éternel se pourvoira. Amen. Oh, c'est merveilleux. Ah, Jésus. Peut-être qu'il a parlé seulement comme ça. Pour calmer l'enfant. Amen. Parce que dans sa tête, il savait qu'il allait tuer l'enfant. Mais Dieu attendait. Amen. Il ne sera jamais en retard. Amen. Faisons-lui confiance. Amen. Au moment où il a levé le couteau, amen. Oh, le ciel a bougé. Amen. L'ange lui a levé. Arrête. Amen. La Bible dit qu'il a tenu même sur la main. C'est que Abraham était déterminé amen. À accomplir la parole de Dieu. Amen. Oh, c'est merveilleux d'avoir un Dieu comme celui-là. Amen. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu ne vient pas. Ne viens au secours que d'une personne qui est fatiguée du monde. Poussez à vous qui réalise qu'aucune personne au monde ne peut plus faire quoi que ce soit pour lui. Alors, là Jésus viendra. Amen. Et quand il viendra, tu n'auras plus de doute. Tu sauras que c'est lui qui est venu. Et la gloire sera à lui. Amen. Pourquoi la mer rouge? C'est pour nous prouver son amour envers nous, envers Israël, afin que Israël puisse voir que Dieu l'aime et l'a choisi publiquement devant toutes les nations de la terre, au point de combattre pour Israël, contre toutes les nations jusqu'à Canaan. Dieu permet aussi que tu puisses te retrouver dans des situations difficiles, bloquées, afin de nous manifester son amour. Amen. Par des prodiges qui viendront si nous sommes sincères et poussés à bout, amen. En lui faisant confiance. Amen. C'est comme l'histoire d'un homme qui avait vu un berger casser la patte de ses brebis, d'une de ses brebis. Un homme passé, et puis il voit un berger qui attrape une des brebis, il casse sa patte. Et lui dit, ah, quel méchant berger! Le berger lui dit, non, je ne suis pas méchant. Cette brebis n'est pas calme. Ne veut pas être à côté de moi. Ne veut pas écouter mes conseils. Alors je préfère, au lieu qu'elle puisse se faire manger par le loup, je casse sa patte. Pourquoi? Parce que quand je vais casser sa patte, elle sera incapable d'aller loin. Là, le temps que je suis en train de la soigner, je vais lui donner une nourriture spéciale qui va le fidéliser, qui va faire qu'il ne sera plus loin de moi. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux l'histoire de ce bon berger. Il n'y a pas meilleur berger que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un homme poussé à bout? C'est comme... C'est un homme dont toute chose de ce monde n'a plus d'importance. Amen. C'est que, à un moment donné, tu peux avoir tout. Mais tu sentiras que tu n'es pas toujours satisfait. Amen. Une fois, j'avais dit, quand j'avais parlé sur les choix, tu as besoin $1,000,000, Dieu te donne $1,000,000. Tu verras que tu n'es pas toujours satisfait. Tu es jeune garçon, jeune fille, tu veux te marier. Tu as la pression. Tu veux vraiment te marier. C'est idéal pour toi. Mais quand tu vas te marier,
tu verras que ce n'est pas aussi extraordinaire. Tu ne seras pas toujours satisfait. Et l'homme et le garçon. C'est comme les gens même qui prennent la drogue. Pourquoi? Ils pensent avoir une satisfaction extravagante derrière ça. C'est faux. Il n'y a qu'une seule, un seul comprimé qui est capable de se satisfaire pleinement. Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand tu l'as, tu as la part suffisante. Amen. Tu es capable maintenant de vivre au-dessus de la chair. Amen. Au-dessus de tout ce qui peut te bousculer. Et tu seras un homme. Amen. Dans le monde, nous voyons beaucoup de gens aussi qui sont poussés à bout par les soucis. Il marche sur la route en train de se parler lui-même. Ce n'est pas de se pousser à bout qu'on parle ici. Là, le monsieur est dépassé par les soucis de cette terre, qui peut même l'amener au suicide. Beaucoup de gens comprennent qu'il se suicide. Il est tellement poussé à bout par les soucis, tous les tracasseries. Ah, il préfère carrément se suicider. Non, ce n'est pas de se pousser à bout. Ici, c'est le pousser à bout où tu sens que sans l'aide de Dieu, tu n'as plus même le droit de vivre. Vous comprenez la différence? Pas quelqu'un qui est poussé à bout parce qu'il manque l'argent. Pour des choses passagères. Non. Ou on l'a escroqué, on l'a fait ceci. Non. Non. Pas cette façon-là. Pourquoi la mer rouge? Pour avoir la victoire totale et définitive sur l'Égypte et sur toute son armée. Amen. Dieu nous fait passer par cette épreuve aussi pour que nous puissions nous séparer du monde. Si tu vois encore que tes amis là du monde t'aiment de la même façon qu'ils t'aimaient avant que tu puisses croire, ah, tu as vraiment à revoir un peu ta position. Parce qu'il faut que le monde te rejette pour que Dieu puisse t'accueillir. Amen. On doit constater la mort pour qu'il y ait une résurrection. Amen. Amen. Par la mer rouge, Dieu était sûr que personne n'allait échapper au jugement de Dieu, afin que Israël puisse le glorifier. De même, Dieu veut, comme William Branham l'a dit, le vieux William Branham là, il est mort. Colérique là, il est mort. Maintenant, c'est un Branham neuf, renouvelé. Il dit que tu es capable de me tirer, m'amener, me tirer par terre. Je suis déjà un homme nouveau. Je suis séparé, totalement différent d'un bagarreur. Chacun de nous doit mourir dans sa vieille nature. Amen. 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 Quelle vieille nature? La nature adamique. Afin que seul Jésus-Christ, notre époux, puisse régner dans notre cœur. C'est séparé totalement de la vie charnelle. Comme Paul l'a dit, nous devons mourir chaque jour des œuvres de la chair, afin que Dieu règne en nous. Amen. Amen. Nous devons d'abord être poussés à bout afin de recevoir ce que nous désirons devant Dieu. Amen. Si tu n'es pas encore poussé à bout, ça ne sert à rien d'approcher pour demander à Dieu quoi que ce soit. Nous devons sentir, avoir le besoin. C'est comme Psaume le dit, comme une biche soupée derrière un courant d'eau. Amen. Amen. Le prophète explique que la nature de la biche fait que quand le lion l'a blessé ou un autre animal féroce et qu'il s'échappe, le sang commence à couler. Son instinct l'envoie tout droit à la rivière. Pourquoi? Parce que dans la nature de la biche, s'il boit l'eau, l'hémorragie va s'arrêter. Et il va sauver sa vie. C'est ça. C'est que c'est dans la position de la vie ou la mort. Et la biche va courir comme jamais. Et arriver au lit. Dès que la biche boit, c'est fini.
le lion sera incapable de l'attraper. Il y a encore une histoire que le prophète a expliquée. La résurrection du bébé mexicain. Nous allons seulement lire. C'était terrible ce jour-là. Une maman qui avait son bébé qui était décédé. C'est dans Poussé à vous toujours, paragraphe 148. Je me suis retourné, moi le prédicateur, l'évangéliste, sur la place. Je me suis retourné, j'avais pitié de la femme, mais je n'étais pas poussé à bout. Ça c'est le prophète qui dit. Voyez, je me suis retourné et je me suis dit, eh bien, frère Jacques, va prier pour elle. Et cela réglera la chose. Je me suis retourné et j'ai dit, pendant que je parlais, eh bien, la foi, trois points de suspension. J'ai regardé par là et une vision est apparue. Je vis un petit bébé qui se tenait là. Un petit bébé mexicain noir qui n'avait pas de dents. Il me souriait. Il se tenait là. Et j'ai dit, attendez une minute. Attendez une minute. Son désespoir avait poussé le Saint-Esprit à changer mon sujet. Amen. À changer mon cœur. Amen. Il m'a montré son bébé qui se tenait là. Cela a fait revenir l'esprit. Et j'ai dit, attendez une minute. Attendez une minute, apportez-moi le bébé. Voilà venir avec une petite couverture blanche mouillée, trempée, contenant une petite forme morte, longue comme ça. Elle se prosterna, tenant un petit crucifix dans sa main et le chapelet pour réciter « Je vous salue Marie ». Je lui ai dit, mets cela de côté. Ce n'est pas nécessaire. Et elle est montée près de là où je me tenais. Elle s'est mise à crier. Padre, ce qui signifie père. J'ai dit, ne dites pas cela. Ne dites pas cela. Croyez-vous? On lui a demandé en espagnol si elle croyait. Elle a répondu, oui, elle croyait. On lui a demandé, comment elle croyait? Elle a répondu, si Dieu peut donner la vue à ce vieil homme, il peut donner la vie à mon enfant. Amen. Le fait qu'elle soit poussée à bout l'a menée jusqu'à cela. Pas quelque chose venant de moi. Tout ce que j'ai vu, c'est une vision. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai vu une vision d'un petit bébé. Il se peut que ce soit celui-ci. Juste à ce moment-là, il a tapé les pieds et a crié. Waouh! Waouh! J'ai dit qu'on l'accompagne chez le médecin pour retirer une déclaration écrite du médecin comme quoi cet enfant était décédé. Et le médecin a écrit la déclaration suivante. La respiration, le cœur de ce bébé s'était arrêté ce matin dans mon bureau à 9h. Il est mort d'une double pneumonie. Oh, autant que je sache, ce bébé est vivant ce soir à Mexico. Amen. Pourquoi? Le désespoir qui s'était installé dans le cœur d'une mère qui plairait son enfant, qui avait vu Dieu agir, guérir les yeux d'un aveugle, cette mère avait compris qu'il pouvait ressusciter un enfant qui était mort. Et pour terminer, il parle aussi d'Ézéchias. C'est dans la Bible maintenant. C'est toujours dans Poussé à vous, paragraphe 89. Il y avait une fois un homme du nom d'Ézéchias. Un prophète lui avait dit, ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Ézéchias a tourné son visage contre le mur. Et étant dans le désespoir, il a pleuré, disant, Seigneur, regarde-moi, je marchais devant ta face avec intégrité de cœur et j'ai besoin de 15 ans de plus. Et ceci après que Dieu lui a dit
que quelque chose allait arriver, qu'il allait mourir. Mais étant poussé à bout, il a changé le programme de Dieu. Étant dans le désespoir, il a pleuré amèrement, étant poussé à bout. Que Dieu bénisse. Ce soir, si tu sens vraiment que Dieu t'a parlé, il n'est pas encore là. À toi seulement de faire un premier pas et lui faire le reste. Amen. Que Dieu bénisse. Si vous voulez, nous pouvons prier. Et que Dieu nous aide. Premier degré, cantique 54. 54.